Ce samedi 25 mars, la princesse Caroline de Monaco organisera le festival Glamour du Bal de la Rose 2023 sur le thème de Bollywood et à ce qui paraît, elle aurait exclu l'épouse du prince Albert de Monaco, à savoir la princesse Charlotte de Monaco, qui n'est visiblement pas la bienvenue. Ça y est, tout est enfin prêt pour le bal de la Rose 2023, magnifiquement organisé par la sœur du prince Albert de Monaco, à savoir la princesse Caroline de Monaco, qui le soir du samedi 25 mars 2023 donnera alors vie à l'événement le plus prestigieux de Monte Carlo. Cependant, ses enfants Pierre, Andrea, Charlotte Katiragi et Alexandra de Hano seront naturellement avec elle. En effet, il y aura toute sa famille sauf une personne, la princesse Charlotte de Monaco bien sûr. La présence de la femme du prince Albert de Monaco n'est plus très vraiment attendue, étant donné qu'elle aurait décidé de ne plus assister à cet événement depuis 2014, vu qu'il est sur la responsabilité de Caroline de Monaco, qui est d'ailleurs sa première rivale. Toutefois, les relations entre la belle princesse Charlotte de Monaco et Caroline de Monaco ne se sont jamais améliorées depuis plusieurs années, raison pour laquelle les deux femmes ne sont jamais totalement comprises. La princesse Caroline de Monaco trouve bizarre le comportement et le caractère de la princesse Charlotte de Monaco et cette dernière a toujours été jalouse de sa belle-sœur qui, depuis la mort de sa mère la princesse Grace Kelly, en 1982 a assumé le rôle vacant de première dame de la principauté. Un rôle qui est forcément revenu ensuite à la princesse Charlotte de Monaco en 2011 lorsqu'elle s'est mariée avec le prince Albert de Monaco. Certes, la passation de pouvoir n'a pas été sans douleur. En effet, la princesse de Hanovre, Caroline de Monaco, n'a jamais voulu être mise à l'écart et la princesse Charlotte de Monaco, quant à elle, l'a toujours considérée comme une figure trop encombrante dans l'agenda du palais princier de Monaco. C'est pourquoi, afin d'éviter que la tension ne monte en flèche, le prince Albert de Monaco répartit les tâches institutionnelles entre les deux femmes. S'il a confié le rôle de la présidente de la Croix-Rouge à sa femme Charlotte de Monaco et qui la rend responsable du bal dédié à l'institution, il a cependant laissé à la princesse Caroline de Monaco l'organisation du bal de la Rose, aussi parce que la soirée était voulue par la princesse Grace Kelly. Ainsi, cette année encore, c'est au tour de la princesse Caroline de Monaco de préparer le gala. Le bal de la Rose se déroulera donc le samedi 25 mars dans la prestigieuse salle des étoiles du Sporting Monte Carlo. Le thème choisi est bien évidemment Hollywood. Pour rappel, l'année dernière, c'était la Dolce Vita. Pour l'occasion, des stars de la musique internationale sont invitées à se produire. Cependant, c'est en 1954 que ce bal de la Rose a été créé par la princesse Grace Kelly. Il a lieu chaque année en mars, à l'exception de 2022, qui a été organisé en juillet après une interruption de 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Toutefois, ce n'est pas un hasard si l'aîné des Grimaldi, à savoir Caroline de Monaco, impliquée dans l'organisation du bal de la Rose depuis 1982, est connue à Monte Carlo comme étant la princesse des arts de Monaco. D'ailleurs, tout récemment, avec le prince Albert de Monaco, elle a inauguré une nouvelle section de l'académie de danse dédiée à sa mère qu'elle a fondée en 1975. Le bal de la Rose, avec tout son prestige et son glamour, est dans le royaume et l'expression de Caroline de Monaco, qui n'apprécie donc pas la présence de la princesse Charlotte de Monaco. De son côté, la femme du prince Albert II a souvent déserté l'événement, laissant le prince partir seul, toujours entouré de sa nombreuse famille. Dès lors, que pensez-vous de cette nouvelle absence probable de Charlotte de Monaco au précieux bal de la Rose? Vos réponses dans les commentaires, bien sûr. Merci et à la prochaine.